Alphonso Davies est le joueur de football le plus célèbre au Canada aujourd'hui. La méga équipe européenne du Bayern Munich a payé 22 millions de dollars pour assurer le transfert de l'adolescent de 17 ans. Cependant, ce qui est remarquable chez Davies n'est pas la direction qu'il prend, mais le chemin qu'il a déjà parcouru. Ses parents ont échappé à la guerre civile au Liberia, les menant à un camp de réfugiés au Ghana, où Alphonso est né. La vie dans le camp était difficile et ses parents ont fini par s'inscrire à un programme de réinstallation des réfugiés. En 2006, ils sont arrivés au Canada. Alphonso était différent des autres enfants, doux et compétitif, mais aussi plus adulte et conscient des enjeux de la vie. En tant qu'aîné, il est devenu le gardien de ses frères et sœurs, tandis que ses parents travaillaient de longues heures. À 15 ans, il est recruté pour jouer avec l'équipe de développement des Whitecaps, où il a marqué son premier but professionnel. En 2018, il signe avec Bayern Munich et devient le plus jeune joueur depuis Roque Santa Cruz à marquer pour le club. En avril 2020, Bayern Munich et Davies ont convenu d'une prolongation de contrat jusqu'en 2025. En août 2020, Bayern Munich a remporté la Ligue des Champions. You've had obviously some hardships in your life, particularly as a young child growing up as a refugee. You became the youngest player to play for Canada's national men's team. That must make you very happy, very proud. Yeah, it makes me happy. It makes me feel like all the hard work I've been doing over the years, you know, is really paying off now. It was a dream come true, and I just want to use my platform to spread, you know, message about, you know, refugees and why it's important to support them. Ensemble, célébrons une jeunesse noire qui inspire.